Mesdames et messieurs, c'est exactement Jean Abgadel dans l'image à sa là, dans une véritable démonstration de force que Luis Abinader, le président dominicain, en tête d'un contingent de l'armée dominicaine, avec un pile petit drapeau dominicain qui a flotté, avec une flotte de machines et fausses armées dominicaines derrière lui. Donc, premier, ça nous capable remarquer dans scène ça, c'est que son scène qui vraiment soigneusement préparé puis au fait démonstration de force là, conférence pour la presse ça, yo fait li avec objectif puis intimider visuellement. Premièrement, pour intimider visuellement peuple haïtien. Vous capable ouais là, mesdames et messieurs, son dispositif militaire qui montait dans le scénario. C'est comme si m'ta dire son film qui t'a pral monter là. Eh bien, président de la République dominicaine, dans l'occasion ça, dans démonstration de force ça, il a annoncé que Libye l'ordre pour demain matin à partir de 6h du matin pour toute frontière entre la République dominicaine avec le pays d'Haïti fermée jusqu'à nouvel ordre, que les frontières maritimes, que les frontières terrestres, que les frontières aériennes, toutes à fermer demain à partir de 6h du matin. Nous allons faire une déclaration en créole dans toute intégralité. Après ça, nous allons quitter suivre déclaration tout en espagnol ou même qui comprennent espagnol. Mesdames et messieurs, monsieur fait l'autre déclaration qui est très importante, qui au droit étendu là. Mais là, nous impressionnés par sortie ça de Luis Abinader, monsieur démontré que son pays que l'a dirigé et monsieur voyons signal fort by gouvernement haïtien qui lui-même depuis leur dossier ça a commencé par jamais dit un mot. Ça a démontré que c'est le pays qui souillons il est, mais réellement c'est une dans deux pays ça qui dirigeait, c'est une dans pays ça qui gagnait mon qui fier là d'ailleurs sans raison tout pour tout dominicain sentir fier l'œil ouais genre de démonstration ça de mon cap gouverner de mon cap diriger. Et bien si nous te gagné dirigeant tout dans pays d'Haïti, je dis c'est pas seul mon qui sous canal là cap construit canal là dans Wanamet qui t'a fait nous sentir nous fier d'est-ce que nous haïtien, mais tout mesdames et messieurs dirigeant nous t'a fait nous sentir nous fier tout. Mais malgré ça, nous contenter nous de dévouement ça, de ça qui a passé là, dans Wanamet journée aujourd'hui, hein, de agent Bessapio qui pas découragé, campé paysan yo, qui chanté, qui travaille, qui pas ébranlé, qui pas ni chaud ni fret avec petit pression dominicain en bas là. Et bien ça, nous contenter nous pour nous rester fiers. C'est un moment que chaque haïtien t'a ressenti au plus fier que c'est haïtien. On a la déclaration Luis Abinader qui ça le dit exactement. Eh bien, mesdames et messieurs, dans le décor ça que nous avons décrit pour là, qui était bien planté, d'ailleurs, c'est ce que vous regardez là, c'est vraiment impressionnant, ouais, que c'est un chef d'État, c'est un dirigeant d'un pays et qui a parlé. Eh bien, Luis Abinader lui-même a lui annoncé fermeture de toute frontière à partir de 6h du matin, demain cap vendredi. Eh bien, textuellement, Luis Abinader te dit comme ça. À partir de 6h du matin, vendredi ça, toute frontière République dominicaine, frontière terrestre, frontière maritime, frontière aérienne a fermé selon information que nous fournit avec le Conseil national de sécurité et de planification. Dans ce sens, le ministère de la Défense est déjà prêt, l'armée, la marine, l'armée de l'air, yo prêt là pour capable conformer yo avec disposition ça. Annonce là li fait par président, c'est dans camp militaire 16 d'août que monsieur trouvé li là. Dans le moment que le tape fait annonce ça, et c'est dans le moment que le tape livré 20 machines blindées avec l'armée, avec les forces armées dominicaines, qu'il était tout profité fait annonce là. Monsieur était continué pour lui dire, quoique n'a pas continué poursuivre conversation avec gouvernement haïtien, comme nous connaissons le gouvernement haïtien lui-même. Li gen un problème de contrôle sur territoire pays d'Haïti a, et donc si gagne des bagay gouvernement haïtien pas capable de contrôler sur propre territoire li, qui donc la difficile pour contrôler ça cap fait là sous rivière massacre. Mais il lui fait connaître que bon côté par République dominicaine situation ça li pas intimidé, c'est pas une situation qui incontournable pour la République dominicaine. En revanche, chef l'État dominicain li ordonné avec direction générale migration pour li refuser entrer de neuf moun sa yo, qui selon lui-même c'est des provocateurs qui ont même lié avec détournement rivière massacre là au niveau de Wanamet. Monsieur pas cité
dans 9 moun sa yo, mais nous pas investiguer qui 9 personnalités sa yo que la République dominicaine lié directement avec ça qu'a fait là et que le sanctionner moun sa yo qui pas ka fouler sol dominicain. Kounya la nous pas quitter suivre déclaration président dominicain en espagnol et quelques autres points d'actualité. N'a pas tout de suite. A partir de las 6 de la mañana. Mañana viernes toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos al Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo. En tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya, tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estarán preparados para cumplir con esta disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano, pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano, admitido por ellos, tiene problemas de control en su territorio. Y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos. Esperamos que esa insensatez, incluso una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros es una provocación que este gobierno no va a hacer. ¿Presidente, hasta cuándo? No va a haber ninguna violencia de este lado, no estamos preparados para controlarla. Aquí no va a haber ninguna violencia. Ustedes pueden estar seguros que puede haber algo muy aislado, pero el ejército y las Fuerzas Armadas en términos generales y la Policía Nacional está preparada. Señor presidente, la fuerza. Aquí no va a haber ningún problema. Repito, pueden haber hechos aislados, pero no ninguna situación especial. Señor presidente, hay garantía, señor presidente, de que las Fuerzas Armadas mantendrán la tranquilidad y la paz en la frontera. Total garantía, estamos preparados y tenemos ya varias semanas preparadas, no solamente para esta situación, sino también para cualquier fuerza de paz que vaya a Haití, nosotros protegernos de nuestro lado. Como ustedes saben, la semana que viene estaré en la ONU y estaremos en contacto con los diferentes países que están preparando esa acción. Y nosotros, como ustedes saben, no vamos a participar, pero sí estaremos aquí preparados para proteger el territorio y la vida humana. ¿Y el cuerpo diplomático, presidente? Estará cerrada tanto tiempo como sea necesario para que esa acción de provocación sea eliminada. Le gouvernement haïtien doit gagner une réponse diplomatique qui a doit bailler avec la République dominicaine dans le dossier rivière massacre si pas impliqué dans ça passé. Plusieurs acteurs politiques bat bravo la contentement pour démarche ça mon Juanamet prend pour reprendre travail construction prise de l'eau dans rivière massacre pour le carouser plantation yo qui ça t'a doit fait qui ça t'a dit qui dit dans traité qui était signé entre deux pays. En suivant dossier spécial à Adjani, estimable Saint-Fleur. Voilà, petit problème technique avec un reportage spécial ça à Adjani, estimable Saint-Fleur a réalisé pour nous concernant le gouvernement haïtien et qui lui-même t'a donné une réponse diplomatique avec la République dominicaine. En venant le jeune Adjani et Guerrier du Seul, c'est. Pour raison ça même, nous on a parlé là sur question problème qui existait ou bien conflit qui a existé entre Haïti avec Dominicani sur question canal là qu'il faut on a chercher document. On a chercher document guerrier du seul, nous bail détail parce que un ensemble de problèmes avait été posé là, sont série de problèmes qui résout déjà et deux parties ont entendu yo signé une déclaration conjointe. Donc si problème n'a résout déjà, nous bail aujourd'hui à pour qui ça fait tout ça avec au niveau de la République dominicaine notamment à moins que maladie Abinadel Soufria, c'est pas lui, lui dit docteur. On a le prend Adjani pour reportage spécial ça. Alors ce travail canalisation ça dans rivière massacre qui était déjà commencé, c'est arrivé campé sous administration Jovenel Moïse, quoi nous songer ça. Population en Rwanamet et décidé eux même continuer travail ça qui permet de user jardin yo pour te produire manger. Et yon travail qui levait prime sous dos, président dominicain qui décide de bloquer visa pour haïtien, fermer frontières et la trier. Pression président Abinader, pas faire moun ouan amène ni chaud ni fret,
travail avancé comme ça doit. Je répète ça qui gagne en deux pays, gagne deux aspects qui important en pile dans droit international côté Haïti et Dominicani, ta doit mettre tête ensemble pour résoudre crise si là d'après ancien diplomate Pierre Antoine Lui. Ça va passer à deux aspects pour moi. Il y a un aspect juridique qui est un aspect qui est plus important parce que dans l'article premier, sous crasse frontière là, de la baie de Manzini au nord jusqu'à un sapit pédanales dans le sud, lui-même de Libor passe glorieux, il explique de fond en comble qui sa frontière là est. Donc d'abord, question son question, sujet à son question juridique. Maintenant, dans le droit international, si il y a un cours d'eau qui est sous frontière, que cours d'eau en amont prend naissance dans une nation et comme rivière qui est dans serpentine et puis il vient dans l'autre pays là, maintenant même pays côté cours d'eau prend naissance là, pas qu'à disposer de cours d'eau à changer. Pour ancien premier ministre Claude Joseph, c'est incompétence autorité l'État qui cause lui Sabinader à pawaser comme ça dans le dossier ça. Ça qui montre et une autre fois encore faiblesse diplomatie haïtienne. Non pas violé parce que traité ça a 10 fois ressources qui en commun yo non utilisé de façon juste et équitable. Yo utilisé plus que 10 fois sur vivre ça. Pas violé engagement nous gain avec eux même j'ai toujours violé engagement nous gain avec eux. C'est yo qui violé déclaration conjointe que nous signons avec eux dans fin mai 2021 l'aime des premiers ministres. Côté yo même yo te reconnaître non pas agressivité politique président dominicain Luis Abinader, c'est parce que Pierre Soukou est dirigeant politique. Politologue Pierre-Antoine Nui a expliqué. Monsieur Abinader est traité flandoual la Kaili. Il fait à des fins électoralistes parce que monsieur voulait démontrer que la tourine qu'on y a avec Haïti, d'autant plus que nous avons l'excuse avec contrebande d'affaires sur frontière là, avec les violences effrénées que nous avons fait en Haïti. Et puis monsieur pensait tout, les ont levier parce que les élites haïtiennes, vous répétez, même le monde de la classe moyenne, vous répétez à l'école dominicaine, à la question de santé, à l'achat au mariage. Ou de l'encostume en République dominicaine, c'est là pour un plaisir, ou ça nous pas contre politique industrielle. Et M. Assad, il est en terrain conquis. Déjà, il voit que nous pas dans l'armée, déjà, nous, nos policiers, même, qui ont des difficultés pour nos sécurité, selon sa officielle, ils disent pas moins. Donc, la vie d'utiliser nous, pour le faire, et politique. Puis loin, ancien diplomate l'a fait qu'on est, occasion ça, t'as dû y manier pour Haïti reprendre souveraineté comme peuple. Il n'est pas normal pour ces Saint-Domingue qui a fait nous le son. Et diplomate la clé sous ça. Ok, mais le diplomatique pour nous bailler. Donc mes amis, nous pouvons aller dans le traité, nous pouvons aller, il y a un protocole, qui prévoit, il y a un arbitrage là-dedans tout, qui prévoit qui j'ai leur bon différent pour différent au traité. Donc il faut que nous le traitions, il faut que le ministère des Affaires étrangères, avec les conseillers en géodésie, pour garder des questions, et puis il faut prendre un plan de travail qu'a fait là. C'est l'autorité qui est dans l'État qui t'a dû camper en face piquer devant le président dominicain. En tout cas, silence premier ministre Ariel Henry. À tout membre dans le gouvernement, montrer à les premiers ministres là, camper bon côté dominicain, d'après ancien chef primatia Claude Joseph. Nous reconnaître que le gouvernement Ariel l'a cédé à la pression dominicaine. Parce que son gouvernement illégitime, impopulaire, décrié, son gouvernement qui comptait tout appui sur la communauté internationale là. Donc les dominicains ont baillé pression, le gouvernement voulait négocier avec eux et le gouvernement prend pour dominicain contre haïtien. C'est peut-être ça. On a demandé la population dans le nord-est là pour y vigilant. Passer de la pression, paix, pression sur l'État haïtien. Ancien diplomate là, mandé gouvernement pour yo uni yo pour bailler une réponse diplomatique avec président dominicain dans le dossier si là. Parce que pour le moment, si on a nous besoin d'unité. Mais faut qu'on interpelle tout le monde qui a géré l'État à plus de responsabilité. Il est vrai que nous n'avons pas qu'à gouverner dans l'émotion, nous n'avons pas qu'à gouverner dans la sentimentalité, nous gouverner plutôt dans le droit, dans la justesse. Mais ne serait-ce qu'au niveau politique, gouvernement a une réponse pour le bail, une réponse qui est bien calibrée, une réponse qui est basée sur la loi. N'a pas rappelé, République d'Haïti et République dominicaine, t'es signé ensemble deux traités sous délimitation frontière qui t'es signé 21 janvier 1919 dans Saint-Domingue. Et puis deuxième traité qui t'es porté non traité la paix amitié et arbitrage qui t'es signé dans Saint-Domingue dans date 20 février 1929. Deux traités ça yo délimité frontière sur un bon. Et puis un autre bon établit un protocole pour résoudre conflit yo, mettez sous ça gagne une commission conjointe binationale qui responsable pour adresser problème dans intérêt mutuel tant que migration, commerce et la trier. Malgré de accord ça yo qui était signé en deux pays ça yo, est-ce que gagne une réponse diplomatique cap bay? En tout cas, pile moun wè Abinader voulait comporter comme maître région, elle décidé en pile fois fouiller pile bien long dans affaire interne pays. N'a signalé
pays Saint-Domingue déjà prend plus passé 10 prises dans rivière massacre pendant y a tiré pied pour Haïti qui finalement voulait prendre une prise pour ouser jardin yo ça qui selon information yo pas déranger protocole qui était signé en deux pays yo sous question ça est-ce que nous gain dirigeants Adiane Oximable Saint-Fleur Caraïbe FM. Merci en pile Adjani Oximab Saint-Fleur pour dossier spécial ça. Voilà mesdames et messieurs, c'était pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Nous en pile. Ciao ciao, à la prochaine. Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance là, vous avez dormi dehors tonton. Mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, vous pouvez titre noir ça qui marqué. S'abonner en français ou bien subscribe en anglais ou bien inscribirse en espagnol. Cliquez sur lui tout de suite. Cliquez sur petite cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'entendez à tout ou déjà dans la bataille ou pral fournir vous.